Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 50e épisode de notre Let's Crash KSP. Et aujourd'hui, alors qu'on manque réellement de Delta V pour nos Comzat, on va tenter le tout pour le tout. Allez, en route. Dans 30 minutes. Théoriquement, il n'y a pas besoin de pousser longtemps. C'est pas dramatique si je suis pas exactement au périastre. Donc on va se mettre par là. Et on va pousser jusqu'à être... plutôt bien. Ok, donc faut que je remonte à 50 km a priori. Voilà, on va se remettre en prograde. Donc c'est 50 km a priori l'atmosphère de Duna. Donc on va repousser un petit coup histoire de se mettre en position correcte. On
On a de la marge, donc ça va. Allez, reviens en prograde. Très bien, il pousse un petit peu. Avance encore. Voilà. Voilà, très bien. Bon. Ça sert à rien que je fasse mes relevés. Je peux juste déployer le scanner, mais sans plus. Et me mettre en radial. Et pour l'instant, c'est tout. On va repartir sur lui, et du coup, lui, on peut avancer. Ok, tu devais aller... Du coup, encore 58 jours. Et on poussera pendant 1 minute et 6 secondes. Oui, je me souviens que j'ai une alarme. C'est pour ça que je suis là. Ok. Sans contrôle manuel, c'est une tannée. Je pense que je le tiens à peu près bien. Non mais...
Bon, bah, vous jugez. Enfin, jugez. Pas au juger, justement. Et virez-moi tout ça. Alors là, je suis sans communication à tenter le tout pour le tout. Pour venir faire un freinage atmo. Si ça, ça marche. Si ça, ça marche, et bah dis donc. Sachant que j'envoie un comsat, j'ai déjà plus de... Comment ça se fait? De l'antenne en attente, ok. Je crois que mon antenne elle suffit pas. J'ai balancé une mission avec des avec des relais pour sauver la mission, mais les relais ils sont pas assez puissants. Périastre d'Aïk, on s'en fout. Périastre de Duna, on s'en fout pas. Est-ce que j'ai moyen de réduire la puissance encore plus ? Je peux même plus y doucher. Super. Bon. Ça va freiner très fort. Ça va te freiner très 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 fort. En 97 jours. Ça va freiner très 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 fort.
6 jours, 5 jours, 4 jours, 3 jours, 2 jours. Elle a ralenti. Allez, dans 4 heures. Plus que 3000 km, 2000 km. Kilomètres. On va se mettre en rétrograde pour on va se mettre tout de suite en rétrograde. Allez, 500. 400, 300, 200, 50. Ah, ça freine, hein. Ah, il me reste 2 satellites. C'est peut-être un peu trop. Oups. J'ai plus les antennes directes.
J'aurais peut-être dû garder mon carburant et le poser en... en douceur. Il est où mon... Il est là-bas. Oh. Ça va pas transmettre, hein. Il y a un peu la planète qui va boucher. Ok, on est à quelle altitude par rapport au sol? 4000 mètres. Pour l'instant, je suis large en delta V. J'ai presque 300 mètres secondes. J'ai peut-être allumé les moteurs un peu tard. Bon bah crash hein. Reste des petits morceaux. Ok. Donc, bon, le rover, on va pas communiquer avec tout de suite. Ouais, bien tenté. De toute façon, j'avais que ça à tenter. Aucun objet contrôlable à proximité? Comment ça? C'est bon, je sais, t'as perdu. Ah, je peux pas. Ok. Bon bah ça c'est fait. Donc c'est à dire que je pourrais contrôler mon rover quand je pourrais renvoyer, quand j'aurai une fenêtre de tir pour renvoyer un satellite. Parce que là à l'heure actuelle... Tu n'es pas en mesure de communiquer. Ouais. Et toi, non plus. On est trop loin maintenant. Donc, ça veut dire qu'il faut que je débloque aussi des antennes relais plus puissantes. Parce que les antennes relais de mes comsat là est relayé pas grand chose de toute façon à cette distance. Que je mette un réseau comme ça, limite autour du soleil. Est-ce que là-dedans, non, c'était pas ça. C'était dans quoi les antennes relais?
ça qu'il faudra que je débloque. 550 points de science plus 300. Donc 850 points de science. Pour faire cette antenne là, parce que ça c'était déjà celle là que j'avais. Ouais. Ouais. Ouais, mais ça sera certainement pour une prochaine fois. Rapporter des échantillons de roche d'unienne avec vous. C'est pas prêt d'arriver, ça. Quoique, si j'avais eu un kerbal sur place, j'aurais beaucoup moins de problèmes. Rien. Ça par contre ça paye, alors que c'est super simple. Donc on fera un peu d'argent avec ça. Parce que oh non, ça va niveau pognon. Ah oui, mais j'ai rempli un ou deux contrats. Qu'est-ce que j'ai rempli? Ça, ça m'a rapporté 200 000. Donc ça, ça va me rapporter encore du pognon. Ouais, bon, qu'est-ce qu'il fallait faire déjà pour... l'améliorer. Ah, j'ai les fonds pour l'améliorer. Et je pourrais transférer les ressources. Ah, ça c'est tentant aussi pour avoir les outils de manœuvre. Pour pouvoir gérer automatiquement les transferts. Et je pense que ce sera d'abord ça pour voir la sonde, mais il me manque encore des points de science. Science que je pourrais théoriquement récolter si je pouvais les renvoyer de Duna. Et je peux pas. Donc bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Suffisamment de réussite et suffisamment d'échecs pour une journée. Donc... bah merci à vous tous d'être passés, ça fait toujours plaisir de vous avoir. Demain, on va se retrouver peut-être bien sur du Icarus en solo encore. J'ai pas pu voir avec les autres pour de la coop, donc je vais pas dire de la coop sans avoir pu voir quand est-ce qu'il serait dispo. Pour le reste de la semaine, toujours les mêmes idées en tête. Pour ce qui est des coop, faut que je joue avec tout le monde. Sinon, du Station Years, de l'Icarus... Et puis voilà, donc encore une fois, merci à vous tous, je vous dis à demain, et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, allez, ciao!